Hello les colibris, alors tout d'abord, et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce qu'en 3 semaines, on a atteint le premier palier, ce qui fait que le roman va être édité et je vous en remercie. Merci surtout pour tous ces enfants dont on va pouvoir parler et surtout pour le cancer pédiatrique dont on va parler avec ce roman. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, le roman est encore en pré-vente jusqu'au 17 mars inclus, mais ne vous attardez pas car les premiers qui ont commandé seront les premiers à recevoir leur roman. Donc si vous le voulez dès le mois de juillet, alors commandez vite votre roman, mais de toute façon ne vous inquiétez pas, vous le recevrez avant le 31 août, ça c'est sûr. Donc toutes mes excuses, on fait le tirage au sort aujourd'hui du roman de janvier. Mais en fait, j'étais un petit peu malade et puis très débordée aussi. La campagne plus le travail, tout ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc du coup, c'est aujourd'hui qu'on fait le tirage au sort du roman qui sera gagné pour le mois de janvier. Donc à l'ancienne, avec des petits papiers jaunes, comme je vous ai mis tout à l'heure, qui sont ici. Donc, on a environ 10 personnes, 10 ou 11, je ne sais plus, là, qui ont participé et qui vont donc gagner aujourd'hui un roman. Moi, je n'ai pas le cancer, donc je trifouille. Et puis, oui, je n'ai pas mon petit lutin de Noël. Et donc, voilà, c'est cette personne qui a gagné le roman de janvier. Et même moi, je ne sais pas qui c'est, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir avec vous. En attendant, je continue à vous demander, si vous le souhaitez, de partager sur les réseaux, par mail, à votre famille, à vos amis, par texto, là, ce soir dans le canapé, vous envoyez quelques textos en disant aux gens que c'est important. Il faut vraiment qu'on lève le tabou, qu'on parle du cancer pédiatrique, qu'on parle des accompagnants et puis aussi, surtout, qu'on parle des conséquences qu'ont ces traitements, qu'ont ces maladies, sur les personnes qui ont ces cancers. Voilà, donc déjà 100 romans vendus. Merci infiniment. J'espère que on va vite doubler et que on va pouvoir atteindre le maximum possible. Donc je déplie le petit papier. Et je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais du coup, moi, il va falloir que je mette mes lunettes. J'ai dû les enlever parce que ça fait des ronds horribles. Eh bien, c'est Stéphanie Photographie qui gagne le roman de janvier. Moi, j'ai pas le cancer. Alors, je suis très heureuse parce qu'en plus, Stéphanie, je l'avais oublié au concours de Noël. Et puis, bon, elle me l'a gentiment rappelé. Et donc, je ne l'ai pas oublié. Et la preuve en est, c'est elle qui a gagné. Donc, elle a bien fait d'insister. Je suis désolée pour les autres. Mais il y aura encore un super concours en février. Et là, vous allez voir, ça va être vraiment très sympa. Et puis, en attendant, on a les rails de décolibri. Ça, je vais vous en parler encore un peu plus bientôt. Mais une date importante à retenir, c'est le 21 février, le rail de décolibri. Donc, c'est un rail qui permettra de parler du cancer pédiatrique. Et puis, le 15 février, n'oubliez pas, c'est la journée mondiale contre le cancer pédiatrique. Alors ce jour-là, je compte sur vous pour partager le teaser « Moi, j'ai pas le cancer » sur les réseaux sociaux, pour partager le lien KissKissBankBank et je vous remercie de tout cœur. À bientôt!